Bonjour à tous. J'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Sanctuaire de Makaya. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Makaya te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Capacité d'adaptation. Alors, c'est quoi? Chose qui arrive. Non, ça y est, j'ai compris. Je me souvenais plus. Alors. Une épée. D'accord. Il faut être au bout. Et de l'autre côté, il faudra faire pareil. Ah, il fallait refaire le même. D'accord. J'ai plus de souvenirs. Allez, on y retourne. Faut pas désespérer dans ce jeu. Décidément. Allez.
Je vais vérifier le passage avec avant de m'engager dans l'autre sens. Espadon royal, vous n'avez plus de place dans votre sacoche. C'est ça aussi qu'il va falloir aller voir à Noya. Parfait. Alors, est-ce que c'est la même chose ici? Ça n'a pas l'air. Là, il faut aller à droite. Et non. Bon, on recommence. Parce que si je fais ça, ça va rester ouvert, mais pas assez longtemps, à mon avis. Fallait tenter. La petite clé. Très bien. Nous avons tous les coffres. Alors, la petite clé, elle ouvre la porte là-bas. Nous sommes bien. Dans l'endroit où je trouve pas la tour. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe, ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. On va pouvoir aller récupérer de l'endurance. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête.
On a 109 noix de Korogu. Donc ouais, Neuilly aussi. Quand on aura trouvé nos deux tours, il va falloir que je fasse une petite liste. Exemple Noya. Il y avait quoi? Donc aller chercher les armes antiques. Finir les missions qu'on sait. Pour continuer d'augmenter le pourcentage. C'est toi. Oh, quelle merveilleuse odeur. Tu as rencontré des monstres, n'est-ce pas? Comme je t'envie, oui. Bonsoir, je peux t'aider? Obtenir des strums, utiliser mes strums. Les monstres, adieu. On va obtenir des strums pour pouvoir acheter tout ce qui lui reste. Bon. Que veux-tu convertir en strums? Ceci déjà. Alors, dans mes souvenirs, il va nous en falloir beaucoup. On va y en garder. On va en garder 20. Moi, je me suis trompée, mais c'est pas grave. On va en garder 19. Oui. Que veux-tu convertir en strum? Donc on va prendre des queues de lézard. Faust. On en a 33. On va garder 10 de chaque, ça va être mieux. Oui. Donc là, ça nous en fait 1470. Parfait. Là, on va en revendre 9. Vous allez voir, dans mes souvenirs, on a un costume à acheter ici. Donc, que veux-tu celui-ci? Je vais en vendre 72. Voilà, 72, il en restera 10. Oui. À côté, je vais en vendre 8. Ici, je vais en vendre 78. J'étais trop loin, 78. C'est des choses qu'on peut récupérer assez facilement. Il suffit de tuer des monstres. 41. Je compte à peu près 1000. Je compte à peu près 1000 par pièce de vêtements. Donc on en a 3. Donc ça fait 3000. Et puis on n'avait pas dû acheter. Là, on va en vendre 28, deux ou trois autres morceaux. Ici, on va en vendre, mince, 5.
Je pourrais le faire hors caméra, mais bon, ça va assez vite, hein. Ce qui est dommage, c'est que ça, il faut en vendre beaucoup. Ça vaut que 2. Ça vaut que 3. Inox. Je sais pas si on en a besoin pour autre chose, ça. On va en vendre 15. Non, 14. On gardait 10 aussi. Donc là, on a 3000. Sûr, c'est pour les vêtements. Qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre? Ça, on n'a pas besoin, mais ça vaut que 1. Ça, on va en vendre 5. C'est de vendre des choses qui coûtent un peu plus cher, mais il n'y a pas grand-chose. Il rajoute même les cœurs antiques. Il rajoute les pièces, on va en vendre quelques-uns, ressort alors. On va en vendre 30, allez. Voilà. Ici, on peut en vendre aussi 30. Ah, ça vaut que 2. Peut-être nous en falloir pour faire des armes, ça, après, donc on va pas de trop. On va voir déjà ce qu'on peut faire avec ça. Utiliser mes strums. Ta-ta-ta-ta-ta. J'ai recommencé, c'est tout moi, ça. J'ai mis au point un autre incroyable objet de monstre. Dire que les pouvoirs des monstres n'ont peut-être plus de secret pour moi. Quelle pensée terrifiante. Laisse-moi te présenter l'équipement ultime dans la catégorie camouflage inspiré par les monstres. Je l'ai appelé l'ensemble noir. Habillé de cet ensemble, tu auras l'apparence d'un monstre. Profite bien de cette horrible vie remplie de douleur. Ou sinon, tu peux juste te dire que c'est simplement un déguisement. Mais sache qu'à la nuit tombée, tu pourras te déplacer plus vite. Je ne sais pas d'où ça vient, ça, par contre. Ton compte s'élève à 3326 strums. Quel objet de monstre veux-tu acheter? Alors, ça on a. Ça vaut pas la peine. C'est pas la peine. Ah, le masque de Linel, on l'a pas. Et filet de monstrueux, on l'a pas. Selle monstrueuse, on l'a pas, je crois pas, dans mes souvenirs. Capuche noire. Ah, c'est 2000. Ah, il va falloir qu'on en tue des monstres là. Elle est à 1999. Strom. On conclut l'affaire? Bah oui. Merci bien. Autre chose, la tunique noire. Une tunique noire. Excellent choix. Je suis très fière de ma création. Elle est à 999 strums. On conclut l'affaire? Oui. Et on va pas avoir assez pour le pantalon noir. Mince. Merci bien. Tu veux autre chose? Obtenir des strums. Tant pis, j'ai tout vendre, non? Je vais en vendre aussi 46. Je sais qu'il m'en faut ça pour si on veut améliorer tous les vêtements. Ça fait. Ça.
années 49, donc 39. On va pas monter vite, hein. Les sabots, sabots, sabots. Je sais pas si je me souviens. Non, on en a besoin pour. On en a besoin. Ça. Je peux en vendre 17, mais pas plus. Pareil, je suis sûr qu'on en a besoin. J'aimerais bien au moins arriver à 999 pour acheter le bas. Ça, on peut tout vendre parce que on s'en sert pas, ça j'en suis sûr. Enfin, si on veut s'amuser à gonfler les choses, mais bon. Ça c'est pareil, ça me parle pas. Je vais en revendre 5. Dans mes souvenirs, on s'en sert pas. Je préfère en garder un peu en cas où. Ça, je sais pas. Puis en plus, c'est dur à avoir. Parce qu'on en a tué beaucoup plus que deux et on en a que deux, quoi. Ça m'embête. Je vais vendre Solom. On va tuer tous ceux qu'on va retrouver sur la route. On a pu faire de pitié, on va tuer tous les monstres. Je crois qu'il nous manque encore un peu. Bon, au moins on aura l'ensemble. Voilà. Utiliser Maestrom. Ton compte s'élève à 1055. Hop, le pantalon noir. Si tu connais, ça se voit. Cet article te coûtera 999 francs. Merci bien. Autre chose, non, j'ai plus d'argent. Les monstres. Hi-hi. Tu veux que je te parle de monstres, mais avec plaisir. Par où commencer? Tiens, autant te parler des monstres géants. Alors, tu as le choix entre trois types. Le colosse de pierre, le géant de la forêt et la bête des sables. De quel type de monstre veux-tu que je te parle? Le colosse de pierre? Les colosses de pierre, on les appelle aussi les lithoroques. Ils se font passer pour des rochers en se cachant sous terre. Ils ont la peau dure, cet tas de gravats. On en dénombre 40. J'essaie de les traquer, mais moi aussi. Mais ils sont si forts que je n'arrive même pas à les approcher. C'est pourquoi si tu arrives à tous les trouver, les tuer, j'aimerais que tu viennes me rendre visite. Mon odorat me permettra d'identifier les odeurs et les fluides qui te colleront à la peau et
de comprendre leurs mœurs. Je compte sur toi. Tu veux autre chose? Oui, toujours les monstres. Très bien. De quel type de monstres? Donc du coup, les géants de la forêt. Les géants des forêts, on les appelle aussi les Inux. Ces cyclopes dorment dans les forêts du monde entier. On en dénombre 40. Essaie de les traquer, moi aussi, mais ils sont si forts que je n'arrive même pas à les approcher. C'est pourquoi, si tu arrives à tous les trouver et les tuer, j'aimerais que tu viennes me rendre visite. Mon odorat me permettra d'identifier les odeurs et les fluides qui te colleront à la peau et de comprendre leur mœurs. Je compte sur toi. Tu veux autre chose? Oui, donc ça fait 40 et les bêtes des sables, je crois que c'est 4. Les bêtes des sables, on les appelle aussi les Moldarkor. Elles vivent dans les zones désertiques et ils font partie des monstres les plus grands que l'on connaisse. On en dénombre 4. J'essaie de les traquer moi aussi, mais ils sont si forts que je n'arrive même pas à les approcher. C'est pourquoi si tu arrives à tous les trouver et les tuer, j'aimerais que tu viennes me rendre visite. Mon odorat me permettra d'identifier les odeurs et les fluides qui te colleront à la peau et de comprendre leurs mœurs. Je compte sur toi. Tu veux autre chose ou non? Donc adieu. Par contre, il ne nous donne pas le détail du coup de combien on en a tué et combien il nous reste à tuer. À bientôt et que la nuit soit belle. C'est dommage. Donc en fait, si on tue les 40 et les 4, enfin les 3 fois les 3 monstres qu'on vient de lire, on a 3 médailles. Donc qui vont s'ajouter ici. Non, je voulais voir, c'était le nouveau costume. Pour vous montrer quelle allure on a. Ça nous permet de courir plus vite la nuit. Donc le village est là-bas. Village des Caraïbes. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt.